Hey yo les amis, donc on va parler d'un petit glitch sur Warzone qui nous permet de tirer en étant à terre. Donc je pense que vous n'êtes pas les seuls à l'avoir déjà vu, en avoir fait les frais, ou alors en avoir entendu parler. Donc en fait, quand vous prenez une balle, vous êtes crack et à terre après, il y a un glitch qui vous permet en fait de pouvoir continuer à tirer en étant tout à terre. Donc voilà. Des joueurs Warzone ont récemment découvert ce glitch assez étonnant qui leur permet de tirer lorsqu'ils sont à terre et attendant qu'un coéquipier les réanime. Cela fait un peu plus d'un an que Warzone a été lancé et durant toute cette période, les joueurs ont été confrontés à de nombreux bugs et glitches en tout genre. Alors que certains de ces bugs peuvent parfois être assez inoffensifs et finalement plutôt amusants, d'autres gâchent cependant le bon déroulement du jeu. Et par conséquent, l'expérience des autres joueurs, comme l'ont fait auparavant, les problèmes de simulant et d'invisibilité. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre bug qui ruine le jeu. Celui-ci permet aux joueurs qui viennent de se faire éliminer de continuer à tirer avec leurs armes tout en attendant qu'ils se fassent réanimer. L'utilisateur Reddit0Dark30 et Activision SD ont récemment montré ce bug en réaction. Selon certains commentaire, ce glitch se provoque lorsque le joueur qui tombe à terre utilise le spray au bon moment. Si le timing du spray est parfait, alors le joueur est capable d'avoir encore son arme en sa position à terre. Donc là, on a un petit extrait de la vidéo, comment ça fonctionne. Hop. Vous voyez, regardez, hop. Tac, hop, là, hop, il a le bon timing et hop, il a encore son arme. Bon, bien sûr, il l'a achevé. Étant donné qu'une méthode est possible pour accomplir ce glitch, si les joueurs y consacrent le temps, les efforts nécessaires, ils pourront alors probablement le maîtriser jusqu'à un certain point, ce qui pourrait totalement ruiner l'expérience de jeu des autres joueurs. Il ne se fait donc aucun doute que si ce glitch commence à se propager sur le jeu, la communauté en serait alors indignée et que par conséquence, Raven Software devra tout faire pour le corriger au plus vite. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce bug-là, ce glitch sur Call of Duty, Modern Warfare, Warzone, et si vous en servez. Donc voilà. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!